Maman, papa, je vais à l'école. Attention. Excuse-moi. Oh. On va l'appeler Jack. Bonjour à tous et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc cette fois-ci, je vais vous parler d'un film à la fois drôle, à la fois dramatique, triste, c'est vrai. Et donc du coup, je vais repartir sur un film avec Robin Williams, parce que je vous en avais déjà présenté deux. Donc un avec MNG et puis un tout seul, là, c'était Madame Doubtfire et Jumanji. Et là, je vais vous présenter le troisième film avec Robin Williams. Et c'est d'ailleurs mon préféré de sa filmographie. Et oui, hein, franchement, même si j'adore énormément cet acteur, la plupart de ses films sont vraiment géniaux. Excusez-moi. Donc, je ne vais pas commencer à bagayer comme d'habitude, à perdre mes mots, parce que ça ne va pas le faire. Voilà. Non, du coup, voilà. Donc, je vais vous parler du film Jack. Un excellent film de mon enfance, et celui-là, je m'en lasserai jamais de le regarder. C'est un film vraiment excellent. Et puis, Robin Williams était franchement fait pour ce rôle. Donc, voilà, donc, c'est un film de 96 par Francis Ford Coppola. Donc, Francis Ford Coppola, hein, notamment très très connu pour ses nombreux films cultes. Hein, notamment la trilogie du parrain, que voilà, tout le monde connaît. Un excellent film de guerre, Apocalypse Now, où il a fait l'excellent film de 92, Dracula. Et oui, hein, Francis Ford Coppola a quand même une très très bonne filmographie, hein, dans sa réalisation. Et il a notamment réalisé ce film Jack. Et ça m'étonne pas, parce que Jack aussi, c'est un excellent film de son listing, comme on peut dire. Et du coup, voilà. Donc avant, il faut savoir que dans ce film, bien sûr, le côté humour, ben, c'est le côté Robin Williams, hein, il a toujours de l'humour, toujours à revendre, hein, il fait rire les petits et grands. C'est un peu, on va dire, le Louis de Funès américain. Voilà, parce que nous, on a notre Louis de Funès en France, qui fait rire les petits et grands. Et ben Robin Williams, c'est un peu ça, c'est un peu le Louis de Funès américain. Et il me semble que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo où je vous avais présenté Robin Williams, je pense. Je crois que je vous l'avais déjà dit que c'était le Louis de Funès américain. Donc voilà, et du coup, parce que dans cette vidéo, donc je vais vous parler du film en question, mais faut savoir que ce film a pour base de parler d'une certaine maladie. Parce que Robin Williams, dans le film, il a une maladie, donc voilà, qu'on appelle le syndrome de Werner.
Et du coup, c'est une maladie en fait qui n'a pas été faite que pour le film, parce que cette maladie existe réellement. Mais bon, c'est une maladie qui se fait rare. Encore heureux, parce que c'est vraiment une maladie qui ne doit pas être dure à vivre également. Parce que la maladie de Werner, c'est une maladie où, par exemple, comment lâche un enfant, ça va au naturel jusqu'à peu près ses 10 ans. Et à partir de 10 ans, eh ben, il vieillit plus vite que la normale. Et c'est-à-dire qu'à 20 ans, il commence déjà à avoir plein de cheveux blancs, ça peut avoir de la perte de dentition, etc. Et cette maladie, une risque cause, ça peut avoir une durée de vie d'environ un peu en dessous 50 ans, voire 50 ans, mais au maximum. Parce que cette maladie peut être due au fait de finir avec soit un cancer ou soit un infarctus, ce genre de maladie, et puis du coup le décès qui suit, quoi. Donc c'est une maladie qui se fait très rare, et du coup dans ce film justement, c'est pour ça qu'il y a le côté dramatique, le côté tristesse du film, parce que Robin Williams nous joue ce rôle à la perfection, et je vais pas vous le cacher, mais ce film, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu les larmes aux yeux quand même, parce qu'il est quand même très 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 triste, malgré l'humour que Robin Williams apporte dans ce film. Parce que c'est vrai que le côté humour, c'est le côté quand par exemple un jeune de 10 ans qui a un physique d'un homme de 40 ans et qui va en école primaire, je veux dire. Donc là, ça fait un peu... c'est un peu le côté humoristique, et surtout Robin Williams avec son humour. Déjà que quand on voit dans la plupart de ses films, même en étant adulte, il a une âme d'enfant, parce qu'on voit, c'est un peu... il aime bien faire le foufou, un peu le gamin, etc. Et rien que pour ça, c'est pour ça que je vous dis, ce rôle lui va à ravir. Donc voilà pour ça. Du coup, je voulais en venir où avant de vous parler des acteurs, voilà, je cherchais ce que je voulais parler. Juste parler de la musique. Donc la bio est interprétée par Michael Kamen. Donc Michael Kamen qui interprète la bio du film. Et on a aussi une musique génialissime que vous pouvez entendre en ce moment là, que je vous mets en fond de ma vidéo. La musique star de Bryan Adams. Donc c'est la musique aussi du générique du film. Et franchement, elle est vraiment douce, bien. Elle est franchement la bonne musique pour ce film. Donc déjà rien que la musique, elle est vraiment extraordinaire. Donc maintenant on va enchaîner sur les acteurs. Donc on va commencer par le culissime Robin Williams. Donc un acteur, je vais me répéter par rapport aux autres vidéos que je vous ai présentées avec les films de Robin Williams. Un acteur qui me manque énormément parce que j'adorais ses films, son humour, etc. Je vais pas m'attarder sur cet acteur parce que on en a déjà parlé suffisamment. Dans les films que je vous ai déjà présentés avec Robin Williams. Donc juste vous parler du film. Donc Robin Williams dedans, il interprète le rôle de Jack Powell. Donc voilà, Jack Powell. Donc un adulte avec un cœur d'enfant, parce que on voit dedans, c'est le physique, c'est Robin Williams tout craché. Mais voilà, dans sa tête, il a 10 ans, c'est un gamin de 10 ans, justement, qui grandit plus 4 fois plus vite que son âge, et du coup, qui va en école primaire. Du coup, voilà, donc Robin Williams dans le rôle de Jack Powell. Arrête, sinon je vais le dire! Quel âge t'as? 10 ans et demi. Et toi? 8 ans. Ah ouais? Ouais. Et alors? Tu fais pas 10 ans. Regarde tes bras, ils sont poilus jusque sur les doigts. T'as l'air beaucoup plus vieux que nous. Et on dirait que tu te rases en plus. Oui. Et alors? Un garçon à 10 ans, il se rase pas. Donc tu n'as pas 10 ans. Non, tu peux pas avoir 10 ans et plein de poils sur les bras et être grand. Très très grand. Faut et pas exagérer.
Je suis un peu grand pour mon âge, c'est tout. Regarde, t'as presque pas de cheveux sur la tête. Je m'excuse, j'ai des cheveux. Tiens, regarde. Mais regarde, là, t'es chauve, jusque sur le sommet. Mais je suis pas chauve, je suis pas un monstre, et c'est toi le monstre, la bigleuse. Il a 10 ans. On sent qu'il a 2 ans de plus que nous. C'est sûr. Oui, d'accord, c'est ça. Je t'en prie, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc maintenant, je vais enchaîner avec les parents de Robin Williams dans le film. Donc nous avons Diane Lane. Diane Lane, ouais, je vais réussir à la dire. Donc, notamment bien connue parce qu'elle a fait énormément de films. Dans le rôle de Karen Powell, donc la mère de Robin Williams, donc Jack Powell, dans le film. Et nous avons Brian Carwin, donc du coup dans le rôle de Brian Powell, donc du coup le père de Robin Williams. Donc voilà, donc c'est un couple dans le film parce que ce sont les parents de Jack Powell. Et voilà, ce sont des Diane Lane comme Brian Carwin, ce sont des acteurs qui ont joué dans énormément, plus Diane Lane qui a joué dans énormément de films et aussi des téléfilms, des films de série B, etc. Et Brian Carwin a joué dans quelques films également, des téléfilms et aussi des séries, hein, des séries dans les années 80-90. Donc voilà, donc pour Diane Lane dans le rôle de Karen Powell et de Brian Carwin dans le rôle de Brian Powell. Qu'est-ce qu'il y a, chérie, ça va pas? Si, ça va. J'arrive pas à dormir, j'ai fait un cauchemar. Je peux dormir ici? Ah oui, oui, bien sûr. Stimpy aussi? Oui. Aïe. Attention, attention. Doucement, doucement, doucement. Ça va? Tiens. Allez, il faut dormir. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, mon chéri. Bon. Bonne nuit, papa. Tu crois qu'il est prêt pour l'école? Je me fais aucun souci pour lui. Ce sont plutôt les autres qui m'inquiètent. Et maintenant, on va enchaîner avec la beauté. Et oui, je dis la beauté parce que si je vais vous parler en même temps d'une actrice et d'une chanteuse pop internationale et qui a fait fureur aussi dans les années 80-90, je l'avais même en poster dans ma chambre quand j'étais gamin, hein, parce que j'ai toujours adoré cette femme. Et puis elle vieillit très bien parce qu'elle est encore très très belle à de nos jours. Et oui, il s'agit de Jennifer Lopez, donc qui joue dans ce film. Donc elle, dans ce film, bah, elle joue le rôle justement de la maîtresse d'école, donc de la maîtresse de l'institutrice de Jack Powell, donc de Robin Williams et ses camarades. Donc voilà, et du coup, ça va un peu plus mal parce que Robin Williams, il a 10 ans dans le film. Il peut pas trop s'aventurer et tchatcher avec les filles de son âge vu son apparence physique. Donc il va s'attaquer à Jennifer Lopez. Il lui fait du charme, des petites attentions, etc. Mais bon, voilà, après voilà, Jennifer Lopez, elle, dans le film, c'est une prof. Une institutrice, c'est pas du tout la même chose. Et du coup, elle peut pas, vu que Robin Williams a 10 ans dans le film, donc elle peut pas sortir avec ses élèves non plus. Donc voilà. Donc on y va pour la sublissime Jennifer Lopez dans le rôle de Mademoiselle Marquez. Coucou. Alors Jack, ça va? Oui, mademoiselle. Ce sont des nounours? Est-ce que je pourrais en avoir un rouge sans ceux que je préfère? Oui? Merci. Alors, Jack, est-ce que tout va bien?
Attention, les filles. Alors maintenant, je vais vous parler d'un acteur. Bon, c'est vrai que dans les années 2000-2010, il a eu des sales affaires, des affaires même monstrueuses. Mais je ne vais pas en parler parce qu'on est là pour rester dans les années 90 et avoir la bonne humeur. Mais voilà, donc je vais vous parler de Bill Cosby, donc voilà, qui joue dans ce film, dans le rôle de Lawrence Woodruff. Donc Lawrence Woodruff, donc Bill Cosby dans le film, il a été notamment très très connu par rapport à un sitcom très connu dans les années 80-90, le Cosby Show. Donc pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont déjà vu, donc le Cosby Show, donc avec Bill Cosby, hein, donc en rôle principal. Et du coup, il joue dans ce film. Et alors, dans ce film, il joue le rôle un peu d'un médecin qui s'occupe un petit peu de la santé, justement, de Jack Powell dans le film. Et aussi, en même temps, il lui fait des cours particuliers. Donc, il fait en même temps le maître d'école, hein, donc à domicile. Donc, il lui fait des cours, etc. Et puis, en même temps, c'est lui qui s'occupe de sa santé. Donc Jack Powell, donc Robin Williams dans le film, il est suivi justement par cet homme, donc Lawrence Woodruff, donc qui l'aide pas à pas dans ses démarches. Donc Bill Cosby dans le rôle de Lawrence Woodruff. Allez quoi, t'es bon pédagogue ou pas? J'ai la réputation d'avoir jeté sur les routes des familles entières. Tu veux dire que t'es plus fort que Jack? J'ai appris à Jack. Bon, ça suffit, allez. Tu rigoles? Non. Encore quelques gouttes de tabasco? Ça va, là. Tu vas te régaler, c'est délicieux. T'en as mangé, toi? Ah oui, oui, c'est obligatoire. Miam, je t'assure, c'est excellent. T'as tout mangé. Continue avec une autre actrice vraiment sublime, mais malheureusement cette actrice elle a pas eu une jeunesse facile. Donc il s'agit de Fran Drescher. Donc Fran Drescher elle joue le rôle de Dolores dans le film. Donc c'est la mère d'un des gamins dans le film, donc le meilleur ami de Jack Powell, donc Robin Williams. Donc je vous en parlerai tout à l'heure. Donc voilà, Fran Drescher qui a été super connue grâce à sa série aussi dans les années 90, Une Nounou d'Enfer, où elle joue le rôle principal. Mais elle a fait des apparitions dans d'autres séries cultes. Bon, juste des apparitions, elle n'a pas comme Une Nounou d'Enfer où là elle fait le rôle principal. Elle a apparu notamment dans Ricky ou la Belle Vie, ou dans Alf, ou dans Madame et Servie aussi. Donc elle a apparu dans quelques films. Dans quelques séries, excusez-moi. Et bien sûr, elle n'a pas eu une vie facile, une jeunesse facile. Surtout dans sa jeunesse. Donc, elle s'est mariée à un réalisateur qui s'appelle Peter Mark Jacobson. Et du coup, quand ils étaient 5-6 ans après leur mariage, parce qu'ils se sont mariés, si mes souvenirs sont bons, dans les années fin 70, mais je ne sais plus quelle année exacte, hein, mais dans les années fin 70, et 5-6 ans après, donc en 84 ou 85, une année près, ils se sont fait cambrioler, deux cambrioleurs qui ont pénétré chez eux, et du coup, Peter Mark Jacobson s'est fait ligoter par les intrus. Du coup, pendant que l'un, il cambriolait la maison, l'autre, il a abusé sexuellement de Fran Drescher. Donc voilà, elle s'est fait violer étant gamine. Et juste devant son mari, Peter Mark Jacobson, qui était attaché, qui ne pouvait rien faire. Donc voilà, c'est une histoire tragique. C'est vrai, comme je disais, quand je vous ai parlé de Bill Cosby, je ne voulais pas parler de son affaire sordide, parce que je voulais rester dans la bonne humeur. C'est vrai que là, je vous ai parlé d'une affaire sordide. Mais vu que je parlais de l'actrice et vu que ça s'est passé dans sa jeunesse, j'ai voulu faire une parenthèse sur ce qui lui est arrivé pour montrer que voilà, faut pas croire que tous les acteurs ou les actrices, ils ont eu une belle vie quoi. Donc voilà, Fran Drescher, elle a quand même morflé dans son enfance et malgré ça, elle a réussi à se relever, mais
après une affaire comme ça, je pense que ça a été très très dur pour elle. Donc voilà, donc on revient au film, donc Fran Drescher dans le rôle de Dolores, donc la mère d'un des gamins dans le film, le meilleur ami de Jack Powell, que je vous en parlerai juste après. Donc voilà, Fran Drescher dans le rôle de Dolores. Ah, vous vivez chez votre mère? Oui, la nuit. Ah, chacun son truc. En tout cas, n'hésitez pas surtout, que ce soit pour parler de Louis ou de tout et de rien. Voilà, ça c'est le Memories, c'est un club où je traîne quelquefois après le travail. Si je ne suis pas au restaurant, vous êtes sûr de m'y trouver. C'est une boîte très sympathique pour les gens de notre génération qui veulent prendre un verre et se laisser un peu aller. Oh, je suis en retard, je vais être renvoyée moi ce soir. Oui, ce soir. J'étais ravie, monsieur Powell. Ouh, dis donc, quelle poignée de main, très virile. Tu as ta clé, mon poussin? Très bien, oui. Allez, on se retrouve à la maison. D'accord, à tout à l'heure. Au revoir. Donc là maintenant, donc bien sûr Robin Williams, donc dans le film, vu qu'il a 10 ans, donc il se fait des amis de sa classe, quoi, des gosses qui ont 10 ans dans le, qui ont réellement 10 ans. Hein, là, c'est, ils n'ont pas tous le syndrome de Werner non plus. Mais voilà, et puis du coup, il se fait des amis, mais je vais juste vous en parler de un seul, son meilleur ami dans le film. Parce que sinon, il a pas mal de camarades dans le film. Et si je vous parle de tous, on n'en finit pas et la vidéo sera carrément longue. Donc je vous en parle juste de un. Il s'agit de Adam Zolotin dans le rôle de Louis. Et lui, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que c'est le meilleur ami de Robin Williams dans le film. Donc Jack Powell. Et c'est aussi le fils de Dran Drescher. Donc Dolores, que je vous ai parlé juste avant. Donc c'est son fils. Et du coup, en plus, Adam Zolotin, c'est pour ça, en plus, c'est le meilleur ami de Jack Powell, mais c'est aussi le premier gamin à qui ils échangent une conversation. Avec qui ils se lient d'amitié en premier. Voilà, je vais réussir à retrouver ma phrase. Donc voilà, donc Adam Zolotin dans le rôle de Louis. Quand je serai grand, je voudrais être comme mon meilleur ami. Il n'a que 10 ans, mais il fait beaucoup plus vieux. Il est comme l'adulte idéal, parce qu'à l'intérieur, il n'est encore qu'un enfant. Il n'a pas peur de découvrir de nouvelles choses, de goûter des choses inconnues, ou de se faire de nouveaux amis, comme la plupart des adultes. On dirait qu'il regarde la vie avec des yeux tout neufs, parce que c'est le cas. Peu de grandes personnes sont comme ça. La plupart des adultes ne pensent qu'à travailler et à gagner de l'argent pour épater les voisins. Et puis surtout, ils savent ce que c'est que l'amitié, contrairement à beaucoup de gens qui ont l'air adultes. Donc maintenant, on va enchaîner avec l'histoire de ce film. Donc l'histoire, je vous ai à peu près raconté de quoi ça parle. Hein. C'est Robin Williams qui est atteint du syndrome de Werner, donc une maladie où il grandit 4 fois plus vite que son âge. Mais après, voilà, dans la vraie maladie, hein, comme je vous ai expliqué au début, hein, c'est pas 4 fois par son âge, mais c'est ça vieillit, l'enfant vieillit très rapidement, au-delà de 10 ans. Quoi. Donc là, voilà. Et du coup, donc il a une maladie, qui grandit 4 fois plus que son âge. Donc il a 10 ans dans le film, donc avec une apparence physique de 40 ans. D'un homme de 40 ans, donc il va en école primaire, justement. Au départ, justement, avant d'aller à l'école, justement, il était suivi, justement, par Lawrence Woodruff, donc Bill Cosby, qui lui faisait des cours à domicile, qui s'occupait de sa santé, etc. Mais c'est justement Robin Williams, donc Jack Powell, qui voulait aller à l'école. Donc, les parents, ils ont cédé, etc. Donc, il va à l'école. Mais la vie n'est pas facile parce que les gamins le prennent pour un monstre, le prennent pour... ça pourrait être leur... ils ont une apparence... quand ils voient un camarade qui a l'apparence d'être leur père, admettons, c'est pas facile. Et la vie pour Robin Williams n'est pas facile tous les jours. Donc, c'est ça aussi le côté un peu triste, un peu dramatique du... parce qu'il se sent seul au départ, donc c'est pour ça qu'à un moment donné Louis
Adam Zolotin, donc le gamin de 10 ans, il a fait le premier pas envers lui par rapport à un match de basket. Et du coup, après, ils se sont liés d'amitié, et puis c'est devenu les meilleurs amis, ainsi que de tout le reste du groupe. Et donc voilà le film, et j'ai rien d'autre de plus à vous dire, juste que voilà, Jennifer Lopez, qui est leur maîtresse, donc Robin Williams, il veut faire une approche envers elle, mais bon, ça marche pas, parce que, il a 10 ans, elle en a la quarantaine, donc ça marche pas, même si lui, il a le physique d'un homme de 40 ans. Donc voilà, il y a un peu de gringue, donc il y a de l'humour, les parents, son petit sont avec lui, hein, ce qui est normal parce que c'est un gros handicap, il y a de la tragédie, il y a tout ce qu'on veut, un film qui est beau, qui est riche en émotions, franchement je vous le dis encore une fois, mais ce film-là m'a fait pleurer, je dis pas le contraire, et quand je le regarde maintenant, je pleure plus comme la première fois, mais ça donne toujours les larmes aux yeux à chaque fois que je le vois, parce qu'il est vraiment magnifique comme film. Pour moi, c'est le numéro 1 de Robin Williams. Ce film-là, c'est mon numéro 1. Même s'il a fait beaucoup de pépites, j'adore énormément sa filmographie, mais celui-là, c'est mon numéro 1 de ses films. Donc j'ai rien d'autre de plus à vous dire sur le film Jack. Ceux qui ne le connaissent pas, franchement, regardez-le, hein, il est franchement magnifique. Un film que vous pouvez montrer à vos enfants, je pense qu'ils adoraient. Surtout Robin Williams, comme je le dis, il fait rire petit et grand. Un film splendide. Et ça m'a vraiment tenu à cœur et touché de vous en parler de ce film-là. Et il fallait absolument que je vous le présente, c'est fait. Et voilà. Donc je vous dis merci à tous ceux qui soutiennent, ceux qui me regardent, ceux qui like, partagent, commentent, et surtout à ceux qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao les amis. Tu es mon élève, je suis ton professeur, et les enseignants ne vont pas danser avec leurs élèves, tu comprends? Allez. S'il vous plaît. Non. Je suis désolée, mon petit Jack. Ce ne serait pas bien. Tu t'en rends compte? Tu ne vas pas pleurer. Oh, Jack. Très bien. Jack, attends. Reviens, qu'on en parle. Je ne peux pas parler. Jack, merci, écoute, ce n'est pas toi qui es en cause. Qu'est-ce que t'as? J'ai mal.